12 candidats pour un oral de 3 minutes avec des sujets liés à la chimie, l'environnement, la santé, la littérature. Et le concept, c'est ma thèse en 180 secondes. Un concours initié par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF en sigle, avec pour principal objectif promouvoir la formation du troisième cycle. Ce concours cadre avec les activités de l'Agence universitaire de la francophonie pour réaffirmer son soutien aux jeunes chercheurs francophones et aux actions de vulgarisation scientifique en langue française. Il y a eu une formation, les doctorants ont été formés pendant 2 jours pour cet exercice. Rolf Rodrichel Ngono Malonda, étudiant à la FLASH, option grammaire et linguistique française, retiendra l'attention du jury. C'est le lauréat. Yolande Berton-Fouémé, vice-présidente de l'université, Marianne Gwabi, présidente du jury, salue l'initiative de l'AUF. C'est très bien que le professeur Edouard Gamotika commence à animer ce centre avec des activités qui concernent tous les étudiants. Mais je tiens aussi à remercier tous les candidats qui se sont présentés. C'est vrai que c'est la première fois et j'espère que ça continuera comme ça. Et que ceux qui n'ont pas été retenus ne se découragent pas. Rolf Rodrichel Ngono Malonda, le lauréat national de ce concours, se rendra à Marrakech dans l'espoir d'être le vainqueur continental afin de participer à la finale de ma thèse en 180 secondes au Canada. Il est aussi à noter que les 3 premiers lauréats ont été désignés par le jury et le 4e par le public au moyen d'un vote. Les heureux gagnants ont reçu un encouragement allant de 250 à 450 euros.